Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de boîte pour ce projet de diorama concernant le cuirassé Yamato. Avec, je vous le rappelle, il y aura donc le cuirassé Yamato, un destroyer, donc le Yukikaze, et un sous-marin en ravitaillement auprès du Yamato. Donc on commence avec cette ouverture de boîte, un destroyer, le Yukikaze Tamiya. Au 350. Alors, donc dans la boîte, on a un petit système pour, une fois la maquette finie, pouvoir la transporter. Alors, je suis désolé, ces boîtages en grande taille pour la caméra, c'est une catastrophe. Donc, peut-être que ça sera mieux sur la latérale, on va voir. Donc ça c'est pour transporter, il y a deux endroits à couper, et ensuite ça permettra de transporter la boîte, le navire, une fois fini, dans la boîte. Enfin bon, comme il sera sur le diorama, j'en aurai pas besoin. On a des indications pour les décales, mais les décales n'ont pas lieu d'être dans l'opération Tanishigo que je vais faire, donc il y aura très très peu de décalques à mettre. Voilà, puis les informations pour le rangement dans le boîtage. On retrouve ensuite la notice qu'on verra un petit peu plus tard. Des décales, enfin donc des drapeaux, quelques décales et la plaque. Alors en occidental et en japonais. Alors les pièces, alors on a la coque, enfin la coque sous la ligne de flottaison, c'est bien fait. Enfin ça, j'en ai pas besoin pour le montage, j'en ai besoin pour le diorama. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc la base, pour le montage ligne de flottaison que je vais faire. Ça a l'air, c'est du Tamiya, c'est bien monté. Alors le socle dont je n'aurai pas besoin non plus, on va mettre ça de côté. Et on arrive aux grappes. Alors les grappes, je vous ai pas montré, à l'intérieur de la boîte, scotché à l'intérieur, là il y a un petit peu de photo découpe. Mais je ne veux pas l'enlever pour pas risquer de la tordre tant que je n'en ai pas besoin. Alors, je prends les grappes. On va commencer par... Donc, il y a des grappes transparentes. Alors, il y en a deux. Je ne sais pas trop pourquoi. Deux grappes transparentes, mais que je vais laisser en emballage. Ouais, donc, c'est pour la passerelle de commandement, mais je vois pas pourquoi il y en a deux. Bon, on verra ça plus tard. Et ensuite, donc, une partie des ponts, une partie de chaloupe, Ouais, c'est franchement du Tamiya, c'est super bien gravé. Bon, là, c'est les pastilles d'éjection, mais la gravure, je vous montre. C'est quand même super bien fait. Ensuite, alors, on a deux petits sachets en plastique, un petit sachet de vis avec la chaîne, enfin les chaînes de d'encre et des petits polycaps. Bon, ça pareil, je vais pas y toucher pour le moment, pas envie de les perdre. Une grappe avec antenne radar, c'est super fin, il va falloir faire vachement attention au dégrappage, mais bon, beau produit, Tamiya, pas de soucis comme d'hab. Ensuite un autre sachet, ça je vais ouvrir, avec la coque et le pont. Euh,
coque, super bien fini, avec des détails nickel. Pareil pour le pont, je vous laisse admirer ça. Voilà, bon, il va y avoir un petit peu de boulot de masquage, hein, pour, mais franchement, je suis très enthousiaste, hein, là-dessus. Ok, mettre ça de côté. Alors ensuite, encore un autre sachet avec. Voilà, ça veut pas. Excusez-moi. Un autre sachet. Bon, alors les sorties de cheminée, c'est super fin. Un pont supérieur, la cheminée, des embarcations, un radar, il me semble, les hélices, que bon, j'en aurais pas besoin, mais. Oh là là, si. J'en reviens pas, hein, c'est super bien gravé. Et enfin, un dernier sachet. Un dernier sachet. Avec une grappe double. Et là, on a les canons anti-aériens, il me semble. Hein, des dévidoirs de câbles. Waouh. Là, les canons principaux. L'encre. Waouh. Lance-torpille. Waouh, waouh, waouh. Donc, il y a deux fois la même grappe. Hein. Bon, par contre. Comme pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien me compliquer la vie. Donc il y aura aussi un petit peu de photo découpe. Je vais vous chercher ça. Alors les deux sets de photo découpe que j'ai pris, donc c'est les canons. Hein, c'est par Haber qui l'a fait. Hein, donc c'est set de canons pour le Yuki Kaze. Ouais, je vous montre ça. C'est tout petit. Hein, pour faire une idée de la taille, je vais vous mettre une lame d'exalto à côté, hein. Ouais, hop, c'est vraiment tout petit, hein. Ah, s'il veut faire la mise au point, voilà, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et en fait, le bastingage, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Enfin les lignes de vie, comme moi j'appelais ça avant sur le bateau. Au départ, c'est un set prévu pour la Yamato, mais comme sur le Yamato, j'ai un autre set de photos découpe, et ben, je l'utiliserai celui-là pour faire le bastingage du Yuki Kaze. Voilà, donc on va avoir beaucoup de boulot. Je sais pas par quel navire je commencerai sur ce diorama, mais je vous avoue que celui-là me fait bien envie, hein, pour le Yamato, je l'attaquerai pas en premier, ça c'est certain. Mais j'hésite entre commencer le destroyer ou commencer le sous-marin. Bon, donc vous voyez, il y a du boulot. Ah, on n'a pas regardé la notice. Ah, je manque à tous mes devoirs. Donc la notice, classique Tamiya. Par contre, sur les bateaux, ça n'est pas en comment dire, en format. Portrait, vous voyez, c'est en format paysage, donc voilà, c'est clair, hein, c'est du Tamiya. Donc il y a pour version avec, faire attention, hein, parce qu'il y a version entière et version ligne de flottaison. Enfin, nous, c'est ce qu'on fera. Vous voyez, c'est y a toutes les instructions. Quand on voit la taille des escaliers en photo découpe, ça fait un petit peu peur, mais on y arrivera bien. Voilà, hein, tout le monde, toutes les étapes. Il y en a 23, une trentaine d'étapes pour arriver à la fin de ce montage. Voilà, donc bon, on se retrouve très rapidement pour une autre ouverture de boîte. Donc le dernier navire, hein, ce sera le sous-marin I-400. Alors, c'est un sous-marin particulier, parce que c'est un sous-marin qui contenait 3 hydravions. C'est une sorte de porte-avions sous-marin. C'était développé par les Japonais. Je crois que c'est les seuls à avoir développé ce genre de sous-marin.
mais j'ai trouvé ça intéressant de le monter. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite de ce diorama. Allez, ciao.